Message pour Monsieur Cyril Hanouna, animateur de l'émission TPMP. Cher Cyril, salut, shalom et salam. Léonard de Vinci disait, dans une de ses citations, « L'obstacle ne doit pas renoncer à la détermination. Celui qui s'y fixait un but n'en change pas. » Cher Cyril, par ce message, et nous te prions de nous excuser, nous sollicitons ton aide, ton assistance et ta sensibilité pour des blessés de guerre et des victimes du terrorisme qui ont servi avec honneur les nobles valeurs et les nobles principes que tu défends, que nous défendons. Nous te demandons, cher Cyril, de nous inviter à ton émission TPMP afin de dénoncer les escroqueries que nous avons subies au Maroc avec la complicité de deux de nos banques depuis 65 mois. Cher Cyril, nous ne sommes pas des opposants. Nous aimons notre pays d'origine, le Maroc, et nous aimons Sa Majesté le Roi, notre grand souverain, comme nous respectons les valeurs de la République française, comme celles du Royaume du Maroc. Cher Cyril, mon argent a été dignement et durement gagné, le prix du sang et des larmes, suite à un attentat contre le quartier général des Nations Unies le 19 août 2003 à Bagdad, où 22 de mes collègues ont péri et où je reste l'un des rares rescapés du deuxième étage. Je ne suis pas connu, je suis seulement un simple citoyen, un grain de sable dans l'univers, mais je suis connu dans mon travail pour mon comportement courageux et brave, à l'épreuve du feu. Aujourd'hui, certaines autorités nous ont abandonnés et nos banques nous ont fait dépouiller en toute impunité et en toute légitimité. Et crois-moi, mon cher Cyril, Sa Majesté le Roi, notre grand souverain, ne pourrait jamais accepter de telles situations. Afin de te rester aussi transparent et intègre, comme à nos autorités françaises, marocaines et aux deux banques que j'affiche depuis de très longues années, nous allons mener des actions médiatiques devant certaines rédactions de presse et devant le siège de la Société Générale ici en France. Donc mon cher Cyril, si tu peux nous aider, merci beaucoup. Sa Majesté le Roi Hassan II disait dans une de ses grandes citations, « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les forts et rapides, mais sont gagnées par des hommes qui n'abandonnent jamais. » Alors mon cher Cyril, nous n'allons jamais abandonner notre combat pour la défense de nos droits, de nos preuves et de notre fidèle engagement. Mais nous avons besoin de toi afin que Sa Majesté le Roi puisse avoir la véracité de nos preuves et toutes les vraies informations. Comme dirait l'autre, et avec un bel esprit d'écrit, que Dieu te bénisse. Amen.